Bonjour, Léo Champroux, je suis un étudiant de l'ECAM Arts et Métiers Lyon. Je suis un sportif de haut niveau dans la voile. Du coup, en parallèle avec mon cursus scolaire, je fais de la voile à Saint-Tropez. Donc j'arrive à redescendre assez souvent dans le sud et pour m'entraîner. C'est des entraînements presque tous les week-ends, au moins 2 à 3 fois par mois. Puis il y a des stages, des régates, des compétitions au niveau et tout ça pour à la fin arriver à faire un championnat d'Europe. Je suis le skipper, donc c'est celui qui dirige le bateau, qui a la barre en main, qui va décider de la vitesse grossièrement du bateau, qui va essayer d'aller le plus vite possible, concentrer là-dessus. Je suis vice-champion de France en catégorie catamaran jeune. J'essaye de pas perdre de temps, donc quand je suis à l'ECAM, moi après il faut que je puisse gagner du temps pour après partir derrière faire mes régates et faire mes entraînements de voile. Donc voilà, je me concentre beaucoup, j'essaye d'être efficace dans mon travail. Oui, tu peux aller faire ta compétition et autres, mais derrière tu t'engages à rattraper les cours et pas de rattrapage. D'un point de vue carrière sportive, ce serait faire les JO dans mes rêves. Hein. Mais sinon, d'une carrière professionnelle et à la fois sportive, du coup, ce serait faire l'America's Cup. C'est une compétition où on voit la plus haute technologie en termes dans le monde du nautisme. Ce que j'aimerais bien faire plus tard, ce serait travailler dans le monde de la voile et du nautisme, plus particulièrement dans le sport nautique et pourquoi pas devenir navigateur. C'est s'occuper de l'électronique embarquée et il y a aussi le côté navigation, stratégie, et ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. C'est surtout pas négliger les études ni le sport dans un premier temps et être honnête avec soi-même, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Sport et études. Mécanique. Drone, ça fait des belles images aussi. La Méditerranée. Gazeuse, c'est plus marrant, les bulles. François Gabart. Tripod. Toujours. C'est d'être dans les règles.